L'être de Dieu et son Christ, les volumes de vérité. Vivre avec et selon ses paroles. Davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole de vérité. Ma parole est vérité. Et ce qui requiert la compréhension sera donné à ceux au cœur contrit et à l'esprit humble. Car ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements, et ceux qui se souviennent de mes sabbats m'honorent et connaîtront la sagesse. Considérez donc attentivement ces choses, car en effet, j'ai préparé un lieu pour ceux qui me cherchent, pour ceux qui désirent me connaître tel que je suis vraiment. Un endroit pour tous ceux acceptés dans le bien-aimé et en lesquels mon esprit habite. Le royaume sans fin, dit le Seigneur. La grâce et la loi morale. Écoutez et comprenez. Le salut ne peut en aucun cas vous quitter une fois reçu. Par conséquent, cherchez à plaire au Père et gardez la loi morale. Car comment celui qui marche en moi par la grâce peut-il aussi marcher dans ce qu'il avait condamné? Mon peuple atteindra-t-il le paradis avec ses mains pendant que ses pieds continuent à fouler le large chemin qui mène à la destruction? Et comment celui qui m'aime prendra-t-il ma main et marchera-t-il à côté de moi, un pied sur le bon sol et l'autre dans la tombe? Par conséquent, la connaissance doit augmenter et le péché diminuer pour entrer dans le royaume des cieux. Car celui qui est sous la grâce porte du fruit de la même nature. Et celui qui a gardé la loi du Père a révélé cette grâce par des œuvres. Ainsi, la grâce vient d'abord et dure éternellement. Puis des œuvres viennent, les premières œuvres faites dans la foi, même les premiers fruits portés dans vos vies, lesquels sont d'aimer le Père et son prochain par l'observance de la loi, dit le Seigneur. Élu et précieux. Vous êtes plus que la saleté qui vous couvre, plus que le péché qui vous remplit, bien plus que les choix que vous faites. Car je vois votre beauté, je connais votre cœur et l'amour que vous avez pour moi. Voici, je vous connais comme vous êtes et serez avec moi là où je suis. Vous n'êtes pas ce que vous avez choisi dans un moment de faiblesse. Vous êtes ce que j'ai créé et vous deviendrez comme je vous restaurerai. Et resterez toujours un ouvrage achevé magnifique, choisi et précieux. Mon trésor éternel, tout comme je serai moi-même à vous. Car je connais les miens, dit le Seigneur. L'éternité avec le Seigneur. Qui sont ceux-ci que j'ai formés? Et quel est l'homme que j'ai fait sortir de la poussière de la terre pour partager ma gloire avec lui? Il n'y en a point de digne, pas un seul formé de la poussière de la terre qui me connaît, pas un seul qui soit juste, non, pas un seul. Tous se couchent dans la mort.
tous retournent à la poussière de la terre. Pourtant, je suis descendu vers vous, dans l'image selon laquelle je vous ai créé, pour que vous puissiez recevoir de moi et avoir la vie, pour que vous puissiez prendre part à ma sagesse et trouver la guérison, une grande paix dans mon amour, échangeant votre vie pour la mienne, pour que vous puissiez vaguer librement dans ma création, près de moi, toujours à mes côtés, jusqu'à ce que vos premiers jours soient appelés anciens et vos derniers jours, ceux à venir, rire. Des années indénombrables, des milliers d'années passant comme la continuité du soleil, des millions de jours passant comme une brise qui caresse le visage de l'éternellement jeune, qui se rappellera de chacun de ces jours comme étant hier, dit le Seigneur. Je suis toujours, je reste toujours le bon professeur qui rappelle continuellement à ses élèves ce qu'il leur a appris avant qu'ils ne perdent de vue le but visé. Je reste aussi le fidèle berger qui rappelle ses brebis avant qu'elles n'errent trop loin. Le père sage et aimant qui révèle rapidement les péchés de ses bien-aimés alors qu'ils sont encore capables de sortir facilement du chemin tortueux, dit le Seigneur Yahushua.